comment est-ce que la langue a évolué pour donner ce qu'on a aujourd'hui? Alors, il faut déjà signaler que le Fongbe que nous avons aujourd'hui n'est pas la première langue des populations qui sont aujourd'hui désignées comme étant des Fongbe. Comme vous venez de le dire, ils sont venus d'Adjatalo. Le flux migratoire fait remonter donc les fonds à ce royaume qui a essaimé dans toute la sous-région, amenant une branche vers les Togolais de Nyontien, plus une autre branche qui a émigré donc d'Adjatado à la suite d'ailleurs des disputes de succession vers Alada. Et c'est d'Alada qu'il y a eu la dispersion que l'on connaît vers Hogbonu, Port-Novo, et vers le plateau, disons, de Huawei, qui a donné les fonds donc d'Abomey. Mais quand ils sont arrivés sur le terrain, donc ce sont des Adja d'abord, c'est des Adjani, et ils sont arrivés sur le plateau de Huawei, et c'est là où ils ont trouvé des populations qui sont des Ifons. Et c'est en les ayant assimilés qu'ils ont pris leur langue. Eux ont ajouté leur propre langue à cette langue Ifon, et dans le courant donc, du flux migratoire lié à l'expansion du royaume, eh bien, ils se sont ajoutés donc, des éléments comme des éléments Yoruba, ce qui fait que la langue Fon que nous avons aujourd'hui est un mélange ou une synthèse donc, de langues, de plusieurs langues, que sont les Adja Sadonu, les Adja Aladanu, les Ifon, les women nous-mêmes, plus les Yoruba. Donc c'est un ensemble de peuples, de langues, de peuples trouvés sur le terrain qui a configuré la langue Fon que nous avons aujourd'hui. Mais la langue Fon elle-même, après s'être constituée comme langue de domination, s'est exportée vers d'autres localités au point de donner naissance à d'autres langues où le fond a été aussi réaménagé par les populations conquises. C'est comme ça d'ailleurs que le fond s'est transporté et s'est imposé au Kweda de Ouida, parce que c'était d'abord des Kweda. C'est pour ça que, bon, on a le Dangwe avec Chola. Les cicatrices raciales. D'ailleurs, j'avais oublié de dire que les cicatrices raciales font partie aussi des éléments de tradition orale que l'on peut lire, sur lesquels on peut lire l'appartenance, par exemple, de certains peuples à certaines cultures. Donc, la langue Fon s'est imposée ensuite, par exemple, à des populations environnantes, les gens de Wenki, les gens de Zayanato, les gens de Kové se sont vus assimiler et imposer la langue Fon, dont certains éléments ont été influencés par des éléments Yoruba, de Tchabé, disons d'autres localités Yoruba qui se trouvent dans les environs, au point où, donc, après avoir été formaté par plusieurs langues, la langue Fon elle-même s'est transportée et a été modifiée par les gens auxquels, disons, l'expansion donc, du royaume d'Abomey a imposé justement cette langue.